Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis Mister C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de Mister Prepper, c'est parti. Alors, on s'était quitté donc juste 2 jours avant le contrôle hebdomadaire de l'agent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer car il vient aujourd'hui. Donc on va descendre ici, on va venir recouvrir. Je pense que c'est à peu près tout. L'établi, il est en dessous, hein. Il est juste là. On va aller récupérer l'eau. On va déjeuner, comme ça ce sera fait. Hop là. Donc, ouvrir. Je sais que j'avais cuisiné quelques petits trucs bien sympathiques. Qu'est-ce qu'on peut déjeuner? On peut prendre ça, par exemple. On va prendre deux, comme ça on est pas mal. Alors, déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon côté. Alors déjà, j'avais acheté quelques boîtes, vous voyez. Donc 3 boîtes que j'ai rajoutées. On le voit, hein, que ça a été rajouté à la main. Celle-là, elle est d'origine. Là, c'est rajouté à la main. Donc 3 boîtes pour compenser le fait qu'on avait pioché un peu au préalable, donc dans les réserves de la maison. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans le bunker. Alors, ici, on a donc notre pièce avec l'établi. Ici, on avait donc la serre avec les parcelles de terre. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté donc des jardinières qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir planter. Donc, ça va être utile pour faire pousser du maïs, ce genre de choses. En dessous, on avait donc la pièce vide ici et ici qui nous sert donc pour faire une chambre par la suite et une salle à vivre. Donc, on fera ça par la suite. Et j'ai donc construit 2 pièces. Une ici, une ici, qui vont donc nous servir à installer, je vous montre, donc le fourneau qui est ici et le générateur à vapeur. Alors, il faut savoir que j'ai, comme vous venez de le voir, juste là, j'ai récupéré donc tous les matériaux nécessaires pour le faire. Donc, on va commencer tout de suite. Je ne sais pas si l'inspecteur va venir de suite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on y va, on va commencer de suite, comme ça on va pas perdre de temps. Et ensuite, eh bien, quand il sera là, on remontera pour l'inspection. Allez. Alors, est-ce qu'il faut le craft? On va commencer par le générateur à vapeur. Voilà, il va nous falloir 2 bonnes heures. Je vais juste faire attention que le gars, il n'arrive pas entre les deux. Ce serait un peu con quand même. Ok. Ça c'est fait. On va faire également le fourneau. Voilà. Il nous faut combien de temps? Il nous faut 2 heures également. Allez, 2 heures de plus pour se faire un fourneau. Comme ça, on va pouvoir l'installer. On aura du courant dans tout le bunker parce que c'est un peu casse-couille de ne pas avoir suffisamment d'électricité. Voilà. Alors, c'est pas que. On va commencer par le. Voyons voir. Attendez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a juste là? Une excellente source d'électricité utilise du bois comme combustible. D'accord. Peut être utilisée pour faire fondre certains matériaux. Mettez de la pierre ou du minerai de fer dedans et voyez ce qu'il se passe. Ok. Alors, on va descendre ici. Ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème avec la jambe, mon ami, tout va bien se passer. On a déjà donc cet appareil qu'on va placer, je sais pas, moi par exemple, ici. Voilà, au milieu de la pièce, ça m'a l'air correct. Quoique non, 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 on va prévoir le coup. Parce que, comment ça se passe? Ouais. Ok, parce que si on en a besoin de 2, hop, hop, voilà, juste là, qui rentre pas dans le mur. C'est nickel. Allez, branche-moi ça, papy. Ok. Donc ça, c'est une chose. Inspecter. D'accord. Alors, il faut la recharger en bois et on pourra l'utiliser. D'accord. On va monter au-dessus, on va installer notre fourneau. En fait, je me dis que peut-être on en aura besoin de 2, donc ça pourrait être pas mal. Donc ça, on va juste faire en sorte que ça soit pas dans le mur. Voilà, là ça me semble bon. Bam, tu le poses. Ok, on va faire 2 choses. On va commencer par brancher le fourneau. Histoire d'être tranquille. Donc,
Non, pas là, juste là. J'ai de la pierre, comme vous pouvez le voir juste là. Donc on va séparer, on va en prendre, je sais pas moi, 8 par exemple. Voilà. On va descendre, on va le brancher, comme ça on pourra donc se faire du verre. Donc la pierre, où elle est la pierre? La pierre doit être là. Non, là. Même pas, elle est où? Ah, d'accord, laisse-moi rire. Je l'ai pas pris. D'accord. C'est bon, c'est fait. Reviens par là, reviens par là. Ok. Petit fail, cela arrive. Donc. Fondre. Ah, il faut du bois. Ok, je vais mettre un peu de bois, t'inquiète pas. Donne-moi tout, on va gagner du temps. Hop là, viens ici. On va le recharger en bois et apparemment cela devrait fonctionner. Ok. Y a autre chose à faire ou c'est bon là? Ok, ça m'a l'air bon. Alors, on va récolter notre nourriture, comme ça ce sera fait. Donc j'attends qu'on ait du verre, on va se faire des ampoules. Et au moins on aura de la lumière dans tout le bunker, ce sera pas mal. Voilà. On va reposer ça. Pardon, ça. Ici. Hop, ça c'est bon. On va les ranger nos produits frais, comme ça ce sera fait. Hop, non, ouvrir. C'est pas pareil. On va mettre sur pause pour le temps. Alors, les carottes, ça va là. Les betteraves, ça va là. Alors, juste, je voulais voir un petit truc. De quoi il s'agissait déjà? Oui, les plantes. On va planter, donc, voir ce qu'on peut planter. Alors, du tournesol, on a des oranges et on a du maïs. Bah, écoutez, je suis bien tenté par le maïs. Alors le maïs, on va prendre, je sais pas moi, on va séparer, on va prendre un tournesol. Voilà. Alors ça fait 2, 3 et on va se mettre une orange. Et pour le reste, on a une betterave. C'est des betteraves, hein, ouais. On va mettre deux carottes et un chou. Comme ça, on est bien. Alors, l'eau, on l'a déjà récupérée. Pas prêt, ok. Ça, on va pas y toucher. Allez, on va planter tout ça en espérant que l'autre con ne l'arrive pas tout de suite. Alors, planter. Non, il me faut de l'eau. Autant pour moi, il me faut de l'eau. De l'eau, on en a là. Alors, planter. On commence par le commencement. Voyons voir. Donc, le tournesol, on va le mettre là. Arroser. Planter les oranges. Ah, il nous faut une serre, d'accord. Est-ce que je peux mettre ça? Oui, je peux mettre ça. Ok. Je pensais qu'il me fallait. D'accord, il me faut une serre. Bon, c'est pas grave, on va y mettre. J'ai loupé un épisode là? Non, c'est ça. Ok. Allez, c'est parfait, c'est pas grave. Hein. Au pire, c'est pas très grave. Hop, la betterave, on arrose. On va planter les carottes. Hop, pareil ici, on arrose aussi. J'espère qu'on aura assez d'eau. Et enfin, le chou, on plante. Est-ce qu'on a assez d'eau? Oui, on a assez d'eau, c'est parfait. Allez, remonte. Comme ça, c'est fait, on va ranger tout ça. D'accord, pour ça il nous faudra une serre. J'imagine que c'est l'établi niveau 3. Donc bon, on verra ça plus tard. Au pire du pire, regardez, ce que je peux faire, c'est ça. Tac, j'en prends un. D'accord, voilà. Redescends rapidement ici, on va le mettre. On va le mettre. C'est pas grave, hein, c'est pas. Alors, tac. Hop là. Il y a le con qui arrive.
Hop, dépêche-toi. Le plan. Vas-y, vite fait. Recouvrir. Pause. Donc, le plan, il est à l'envers. Là, c'est bon. Ok, juste, je suis conscient qu'il n'y a pas les ampoules ici, mais le problème, c'est que si je branche une ampoule supplémentaire, il y a tout qui pète. Donc, on va attendre d'avoir du vert. On installera les deux ampoules là, les deux ampoules là. On alimentera donc la chaudière et on sera tranquille. Allez, on va l'ouvrir et on va voir comment ça se passe. Allez, courage. Alors, il va faire sa petite visite habituelle. Inspection légale en cours. Ok, le tapis c'était bon. La pièce semble rangée et fonctionnelle. J'espère qu'il n'y a rien d'illégal ici. Mais non, tout est légal chez moi. Enfin, tout ce qui est visible. Vas-y, inspecte. Hein. T'as vu le jardin, il est grand. Hein. Si tu savais ce qu'il y a en dessous, mon gars, tu t'arracherais les yeux de la tête. Laisse tomber. Blaise Président. Ouais. Ça te plaît? Bon, par contre, il va y avoir un problème au niveau des verres parce que j'ai pas pu en fabriquer. Mais je vais régler cela donc soit maintenant, soit après, quand on aura du verre. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Ça, je pense que ça va être correct. Oh putain, c'est pas si correct que ça. Montre-moi ça. Lire. Non, ça, je m'en tape. C'est pas ça que je veux. Il est où? Là. Résultat d'investigation. Ok. Ok. Il va nous falloir des grandes boîtes et des tasses. D'accord. Donc, avoir trop d'eau chez soi, c'est suspect. Avoir de l'eau dans sa maison, c'est suspect. Mais t'es complètement con ou... Ok, j'ai de l'eau chez moi, c'est suspect. Ouais, t'as raison, demain je vais me laver avec du vin, tu sais. Je vais prendre une douche avec du vin, non mais n'importe quoi. Allez, va, on va récupérer ça. Oh, quoique, je m'en fous, attends, il revient quand? Il revient quand cet abruti? Parce que sinon on n'en a pas fini. Il revient lundi prochain, enfin lundi, je suppose que c'est lundi. Ok, c'est pas grave. On va faire avec. Alors, est-ce qu'il me restait de l'eau sur moi? Ouais, il me restait 5 bidons. On va laisser ça là. On va descendre. Vite fait. Attendez. Là. Voilà. Que je remette. Voilà. Il y a un petit bug à ce niveau-là. C'est pas très grave. Vas-y, vite, descends. Ah, merde. J'ai oublié. Il y avait le... Ok. Il pouvait pas descendre, effectivement. Il y avait le tapis. On va remettre l'eau en bas pour l'avoir de côté prochainement. Également, on va remonter. Voir ce qu'il y a comme courrier. Apparemment, on a reçu du courrier, donc ça peut être sympathique. On va voir ça. Hop là, de qui s'agit-il? Lettre de Minuteman, avertissement sur le contrôle de l'eau. Une lettre d'un inconnu qui se fait appeler Minuteman. Mais de quoi s'agit-il? Cher monsieur Pripper, une petite note, ma source à l'agence me dit que la consommation d'eau sera ajoutée aux choses vérifiées lors d'une inspection. Ok, une utilisation excessive peut être remarquée, alors faites attention s'il vous plaît. Alors, effectivement, c'était dans mes projets, je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Cela faisait partie de mes projets. Si je dis pas de bêtises, ma foi. Je sais pas si c'est ici. Non, ce n'est pas ici. Est-ce que c'est là? Non, ce n'est pas là. Donc c'est là. Voilà. Faire des seaux pour les mettre dehors et récupérer l'eau. Donc, faudrait qu'on fasse ça. Ok. Ben c'est bon pour la lettre là ou... Ah oui, d'accord. Faut que je la prenne. Minuteman, c'est bon là? Ok. On va donc fermer tout ça, fermer tout ça. On va descendre ici, voir... Bah ouais, voir où ça en est ce bordel, parce que bon, quand même... Inspecter. Recevoir. Ah, oh, c'est magnifique. On a le verre.
On a le verre. On va faire les ampoules. Hein? On va faire ça, les ampoules. Comme ça, ce sera fait. Allez, vas-y. On va créer des ampoules. Alors, pour créer des ampoules, c'est ici. Voilà. Donc, on va... non, non, pas 8. On a besoin de combien? 1, 2, 3, 4. Ah si, effectivement, on va en avoir besoin d'un peu plus. On va en avoir besoin de 8. Ouais, de 8. Vous savez quoi? On va faire un truc, si c'est possible, parce que j'ai plus beaucoup d'argent, il me reste très très peu de sous. On va faire un petit truc. On va aller voir notre ami Sergueï, parce que maintenant, on a la confiance niveau 3. Et on va voir si on peut, voilà, lui acheter deux petites ampoules. Voilà, juste ça. Au passage, j'aimerais bien voir si je peux revendre l'ancien, le vieux journal. Malheureusement, ce n'est pas possible pour le moment. Ça, c'est ok. D'accord. Alors, je crois que c'était elle qui m'achetait mes vieux journaux, mais malheureusement, elle n'a plus trop envie, j'ai l'impression. Ce n'est pas grave. Allez, hop, ça c'est bon. Alors, donc, on va se faire les ampoules. On va s'en créer 8. Voilà, comme ça, on va avoir une bonne pousse au niveau des plantes. Alors, je vois que ça descend. C'est bon, t'as tout créé là? Non, non, mais vas-y, fais tout d'un coup, hein. Je sais pas si t'es en panne, je sais pas ce qui t'arrive là, mais... Vas-y, hein, fais. Hein. Te gêne surtout pas. Il va être minuit ou un truc comme ça. Ça va être l'heure d'aller dormir. Ah non, c'est la... Non, j'ai confondu. Il va être 21h. Voilà. Là, on est bon. Donc, ici, on va aller récupérer notre... nos ampoules, pardon. Hop. Ok. Alors, j'ai peur que là, tout le courant pète. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on prenne ça. Ok. Vas-y, descends. Alors, je sais pas comment ça marche. On va faire... recharger, par exemple. Vas-y, fais pause. Ça coûte combien un bois, cette connerie? Un bois? Juste un bois? C'est tout? Ah ouais, bah si c'est juste un bois, ça me va. Hein. Oh, c'est pas cher, hein. Moi ça me va. Hein. Écoute, c'est parfait. Hein. Où sont mes petites appliques que voilà, qu'on a commandé nos appliques, pardon, pas mes appliques. Alors lâche-moi ça. Déjà, on va faire un truc. Bam! On va se mettre une petite lumière, on va dire, juste là. Boum! On va s'en mettre une deuxième. Juste là. Boum! C'est fait. Remonte ici. On va s'en mettre d'autres, vous allez voir. On va avoir une espèce de... d'être pire que Las Vegas, le truc. Boum! Allez, hop, on continue. Ah non, par contre, celle-là, ça va pas aller. Elle est trop basse à mon goût. Non plus. Ouais, je suis très minutieux. Bon, allez, va, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Allez, hop. Ouais, non, trop rapproché. Sinon, on va y passer 50. Putain, sinon, on va y mettre 50 ampoules. Le problème, c'est qu'avec la souris, vous voyez, c'est pas précis. Ouais, j'aime bien quand c'est fait proprement. T'es fatigué? Ah, ok. Bon, allez, c'est pas grave. Hop. Là, c'est magnifique. Voilà. Trop bas. Putain, il fait chier à les mettre trop bas, ces ampoules, lui. Sans déconner. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je ferai une petite coupure, il n'y a pas de souci. Je couperai ça au montage. Ce n'est pas très grave. Ou alors, je vous le laisserai. On verra bien. Voilà, classé beau. Et celui-là, tu vois, tu le prends. Tu le mets à côté, là, juste là, vous voyez? Non, mais il se fout de moi. Putain, il a trop bu, lui, ou quoi? Bon, il fait exactement ce que j'ai fait au début. Alors, soit il la met trop près, soit il la met à côté. Là, là. Voilà, c'est magnifique. Maintenant, on va ici. On va faire ça. On va en mettre une ici. Voilà. Et encore.
Juste, donc, je voulais vous dire. Vous devriez aller dormir. Ouais. Voilà, donc maintenant que c'est fait proprement, on va faire deux choses, mais extrêmement rapide. Vous allez voir, ça va être un truc de barge. Ouais, du coup, j'étais un peu tatillon sur mes ampoules, mais je veux que ce soit bien fait. Hein. C'est normal, vous me direz. Ouais, non, laissez tomber, on va aller dormir. Finalement, on est à la limite du truc là, en fait. Je pensais pas que c'était possible. Allez, hop, une sieste. Ok, on fera ça demain matin, c'est pas grave, on va faire fondre le fer. No time to waste prepping. Ok, je sais pas ce que c'était, l'agent, je sais pas quoi. Est-ce que tout va bien pour moi? Je pense, ouais. Ou alors je suis tombé dans les pommes, c'est possible. Enfin, il y a un truc comme ça. Non, ça va plus ou moins. Ok, pour l'instant, dépêche-toi de descendre. Donc, on va continuer. On va déjà déjeuner, vous allez voir, on va déjeuner. Hop, vite fait, bien fait. Regardez, j'ai un bon poulet des familles. C'est super sympa. Une petite boisson énergisante. On est reparti comme à 40. L'eau, on va le prendre. Alors, question con. Ça, faudrait peut-être le laisser allumer. Allumer. Voilà, on va tout rallumer normalement. Je sais pas si c'est... Ah, il y a comme qui dirait un problème. Attendez, attendez, il y a comme qui dirait un problème là. Non, non, remonte, 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 remonte. Ouais, non, d'accord. J'ai pas compris là. On a... Soit il n'y a pas de jus dedans, soit j'ai pas compris le fonctionnement. Éteindre, éteindre. Éteindre. Ok, alors attendez. Ça c'est éteint. Ça c'est éteint. Ça c'est éteint. Ok, ça s'allume. Comment ça se passe cet engin? Ah, ça doit être la quantité d'électricité disponible. Mais du coup, comment... Ça c'est, j'imagine, le gasoil et ça doit être la quantité d'électricité disponible. Ok. Oh, ça pousse bien. Non, elle éteint pas. Hein. Voir si je fais éteindre, qu'est-ce que ça donne? Oh my god. Y a plus de jus là. Ok. Y a plus de jus. Très bien. Allume. Ok. On a un vieux truc, mais on est pas mal. Alors, je vous disais, on va se procurer. Ouais, j'ai vu un journal à l'entrée. On va se procurer donc. Tout ce qu'on a ici, vous allez voir, on va tout récupérer. Regardez, on a du métal. Alors, merde, j'ai changé par accident. On a du métal, juste là. Vous voyez les vieux journaux, on peut les revendre, mais j'arrive pas à retrouver l'acheteur. Ok, c'est trop lourd. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai du bois. D'accord. Alors ça, on peut... Reste sur place. Ça, on peut directement switcher pour le poser là. Ici, on va... Oh, il est parti, il a commencé à descendre, c'est pas possible. Remonte, s'il te plaît. Ouais, les contrôles, des fois, c'est pas la joie là-dessus. Désolé, j'ai un peu bougé. Donc, je disais, on va reprendre nos petites affaires. Trop lourd, mais qu'est-ce que tu as sur toi? Je comprends pas. Il a un truc qui est volumineux sur lui. Ah, le fer! Ok, my bad. Attends pour moi. C'est pas grave. Bah écoute, on va faire fondre tout ça. Ouais, c'est un peu brouillon, j'ai l'impression d'être un peu brouillon quand je fais les choses là, mais en fait, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Allez, tu mets tout ça là-dedans, fondre. Je récupère un peu de bois, reste en place. Je récupère un... En fait, on va garder un peu de bois sur soi. Genre 1, 2, 3, voilà, comme ça on est bien. Bim bam. Recharger. Ok, maintenant c'est reparti. Donc, je disais pour cette histoire de pierre. On va décrafter la pierre, comme ça on aura 15 pierres supplémentaires. Alors, hop, maintenant on peut les récupérer. 1, 2, 3. Ça, c'est une parcelle de terre. Je sais pas si on peut en faire quelque chose, on va voir. Au pire, pareil, je vais le décrafter. On va s'occuper du journal. Ça, je peux le stocker là? Non. Ok, ben ça, écoute, tu le démontes. On va pas y passer la semaine. Ça, pareil. C'est très rapide en plus à démonter. Ça prend pas de temps. Les matériaux sont automatiquement stockés ici.
Voilà. Donc ça c'est une chose. On va également prendre le journal. Il va falloir que je me fasse de l'argent parce que on est limite. Là, on n'a plus rien. De toute façon, on est à sec. Hein. Voilà. Donc le journal. Lire. Alors, le journal, qu'est-ce que ça raconte? Déjà, j'ai l'impression qu'il y a eu une panne d'eau, un truc comme ça. Donc, barrage, barrage. À la suite d'un accident inattendu, l'exploitation du grand barrage d'État sur la côte Est sera interrompue. Les ouvriers du barrage ont commencé les travaux d'entretien et de réparation afin de refaire fonctionner l'unité dans les plus brefs délais. Si les réparations se prolongent, nos fonctionnaires veilleront à ce que chaque citoyen ait accès à de l'eau, de la nourriture et de l'eau potable. Restez préparés. Un nouvel agent pathogène ravage le Mexique, le gouvernement incapable d'aider la population. Un truc protozoaire, bla 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 bla. Le serpent d'airain est également bon pour les animaux de compagnie selon une étude. Ok, le serpent d'airain, en fait, c'est un. Le serpent d'airain, c'est juste là. C'est un satellite, grosso modo, qui espionne les gens. Voilà. Enfin bref. Vous voyez un peu le délire, soi-disant que c'est un. C'est où l'eau? L'eau, c'est le 19. Ok. Surtout qu'il faut faire attention à la consommation d'eau. Oh putain, ça craint tout ça. Bon, là, on va récupérer l'eau parce qu'on va en avoir besoin. Je vais juste la récupérer exceptionnellement aujourd'hui. Et on va essayer de ne plus l'utiliser jusqu'à nouvel ordre. Alors, ce qu'on va faire dans l'immédiat, parce qu'on a besoin d'argent, on peut vendre les légumes et les fruits, etc. Donc ici, on peut récolter. Mais écoutez, on va récolter tout ça. On va essayer de se faire quelques pièces parce que sinon, on va pas y arriver. Et on va essayer de se faire du métal. Du métal, il faut qu'on l'achète, on n'a pas le choix. On va récolter tout ça. Vas-y, récolte tout ça. Tranquille. Non, pas arrosé. Non. Oh, il est con, sans déconner. Ah ouais, lui, il a abrégé. D'accord. Ouais, il se fait pas chier, lui. Ok. Pose ça par terre. Là. Ok, c'est pas grave. Est-ce que c'est maturité, pas maturité? Il faut remettre de l'eau. Je sais pas comment ça se passe. Je pense que c'est à moitié, hein. Ça doit être ça. La plante doit indiquer le niveau actuel. Ok. Alors, on va aller ici. On va voir ce qu'on peut. Enfin non, je suis bête, il n'y a même pas besoin d'y aller regarder. On fait échanger automatiquement. Alors, qui est-ce qui peut nous racheter nos légumes, nos fruits, compagnie? La maison de Nancy, c'est mort. Le supermarché. Ça c'est Sargaï. Le supermarché, peut-être, non. Donc, Jenny. Elle peut nous racheter nos carottes. Les myrtilles. Ok. Il y a moyen qu'on se fasse quelques pièces. On va voir ça tout de suite. Ah oui, c'est vrai, il faut enlever le. Voilà, il faut enlever l'arrêt du temps. Ouais, du coup, je pense que ça devrait être bon. On va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ouvrir. Merci. Ouais. Par contre, je pense pas qu'elle en achètera plus de 15. Hein. Cela m'étonnerait parce qu'ils ont un certain nombre prédéfini. Comme elle, par exemple. Ouais, 10. 10, pas plus. Les radis, elle prend. Et le maïs, on pourra le vendre. Des tomates également. Écoutez, il n'y a pas de problème, on va se faire ça, hein, on va faire comme ça. Voyons voir si on a des radis. On en a 3. Bah écoutez, on va les vendre. Voilà, non, les carottes, on va les garder. Ça, va falloir qu'on le mange, parce que j'ai l'impression que c'est en train de tourner. Les champignons, je sais pas si je peux les vendre, on va tester, sinon on les mangera, hein, on va pas s'emmerder. Pourquoi j'ai l'impression... Ah oui, ouais, si, 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 si. Donc ça, regardez. On va tout lui vendre, ça nous fera 10 pièces. Ah, c'est 5 par truc. Ah ouais, tranquille. Ok, bah écoutez, ça fait 15, 25 pièces. On peut les échanger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter donc du métal à lui. Ah non, même pas. Attends, attends, même pas. Ils ont dit qu'il y avait trop de. Attendez. Ils ont dit qu'il y avait trop de boîtes métalliques, si je dis pas de bêtises, sur le rapport. Il y a. Alors. Objet suspect, trop nombreux, il y en a un de trop. D'accord, bah écoutez, il n'y a pas de problème. N'importe quelle petite boîte, d'accord. Et il manque, d'accord. Il manque une grande boîte et il y en a une petite en trop. D'accord. Donc on va en démonter une petite. On va pas s'emmerder, ça va être rapide. Bah celle-là par exemple, voilà, on va faire ça comme ça.
Toi, je te prends. Voilà. Dans 1 heure, il y a l'argent qui arrive. Donc, on va décrafter le bordel. Ça va être rapide. Voilà, démonter. Voilà. Comme ça, on a récupéré le métal. Alors, ensuite, le journal, on va le mettre là. Par la suite, on pourra peut-être le vendre. Donc, ça, c'est des graines. J'attends juste que ça soit en maturité pour le récolter. Comment on fait pour voir? Je sais plus. Ouais, il faut être dans les parages ou un truc comme ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va enlever ce qu'on a sur nous. Alors, tout ça, je prends un risque. Ok, tout manger. Ça, c'est un mauvais état. Même chose, c'est pas grave. Donc, pour l'eau, on va ranger l'eau. Sais pas s'il faut les re-arroser en fait plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il faut les arroser plusieurs fois, ceux-là. D'accord. En fait, forcément, puisqu'on connaît pas le système du gameplay par rapport à cela, nous on connaît cela, mais pas cela, donc forcément. Mais apparemment, là, ça a l'air bon. Là, ça a l'air ok, j'ai l'impression. Enfin bon, j'espère. On verra bien dans tous les cas. Il nous reste 57 minutes. Est-ce qu'on peut recevoir... Ah, je suis con. On avait mis du fer à... Putain, je suis con. On avait mis du fer, c'est vrai. On en a 13 supplémentaires. Ok, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On va se faire des seaux. Des seaux, et pour le coup, bah finalement, j'ai même pas besoin de l'acheter. On va se faire des seaux, regardez. On va se faire des seaux. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Juste là. On peut s'en faire combien? Un métal et un plastique. Alors, je voudrais pas en abuser, mais on peut s'en faire... 4. On va s'en faire 4. 1, 2, 3, 4. Il faut 3 heures, 4 heures pour le faire. Ok, bah écoutez, s'il le faut, il le faut. Hein, pas le choix. Excuse-moi, tu vas où, bonhomme? Je lui demande de créer des sauts, l'autre, il descend. Ok. 4. Allez, c'est parti. Et du coup, comme ça, avec ça, on va pouvoir... Non, j'en ai demandé 4. Ouais, je crois qu'il y a des petits trucs qui comprend peut-être pas tout ce que je lui demande de A à Z, mais bon. On va faire avec. Donc, on va être un peu fatigué. Niveau faim, on est bon puisqu'on a mangé ce qui était à moitié périmé, entre guillemets. Ok. Ok, jusque-là, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire dans l'immédiat, on va aller poser nos seaux dehors. Au cas où qu'il pleut, on aura donc des seaux. Allez, mets-moi ça dehors. 1, 2, 3 et 4. Alors, on en fera plus par la suite, mais pour l'instant, on va être un peu limité. Est-ce que j'ai des choses? Ouais, ça, je vais le ranger. Quoique, bah non, pour le coup, non. Si je vais le ranger, on verra après pour le reste, c'est pas grave. Vaut mieux que les choses soient bien rangées, comme ça on est tranquille. Pam, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça c'est les jardinières. Ok. Ça, donc je vais faire 3 lignes. Enfin, voilà, quand je range, moi je fais comme ça. Par exemple, ça c'est une ligne pour ce que je peux planter dans les jardinières. Ça c'est ce que je peux planter dans la terre normale. Et ça, c'est ce que je peux planter directement dans une serre. Voilà. Est-ce qu'on peut tout récolter? Alors, je sais plus comment on fait. Il faut venir ici. Je sais plus comment on fait. Il faut cliquer quelque part. Il y a moyen de savoir où les choses en sont. Mais voilà. Faut être proche. D'accord. Donc, comment ça se passe? Là, c'est vert. Ok. Mais là, je sais pas. Ah, ben, je peux le récolter. Ok, donc je pense qu'il faut que ce soit en entier. Je pense qu'il faut que la plante soit entièrement... Ouais, faut qu'elle soit entièrement. Ok, donc on va récolter. C'est magnifique. Est-ce que le maïs... Donc ça c'est du maïs et ça c'est... je sais plus ce que c'est que j'ai planté là. Limite, je peux même pas vous dire ce que c'est, je sais plus ce que c'est. Du tournesol. Est-ce que le maïs et le tournesol, ça vaut cher? Ah, on a du courrier. L'argent, je crois. Échanger. Récupère ton courrier, s'il te plaît.
Il y a trop de choses à faire là-dedans, c'est incroyable. Hop! Donc maintenant, je veux savoir si ça vaut cher, s'il y a moyen d'en tirer pas mal d'oseille. Le maïs, 6 par maïs? Bah vas-y, je te le vends. Hein. Je te le vends sans problème. C'est quoi ce que je voulais voir, le tournesol? 16 par tournesol? Oh bah vas-y, hein, je te les vends. Hein. C'est quoi, demain je deviens producteur, il n'y a même pas moyen. Regarde l'oseille, regarde, 60. Vas-y, moi je te vends tout. Hein. Vas-y, c'est prêt tout ça? Non, c'est pas encore prêt. Bah vivement, parce que là, franchement, on est pas mal. Hein. Bon, il est fatigué, ça j'ai vu. On va bientôt s'en occuper. Faisons un point. Faisons un point. Où est-ce qu'on en est? On a les pièces. Ça, je vais le ranger. Hop. Ça, je vais le ranger. Ça, c'est des graines de maïs. On va replanter, d'accord? On va se faire un truc genre full maïs ou je sais pas quoi. Là, c'est du métal. Donc, il nous manquait une grande boîte. Ça, c'est ce qu'ils ont dit, une grande boîte et des verres. Donc, je vais m'acheter une grande boîte. Et je sais plus combien c'est. Attendez, je sais plus combien c'est. Une grande boîte et deux verres. Ça, c'est ce qu'ils nous ont dit qui manquait. Donc, on va se faire ça tout de suite. On va aller voir Sergueï. Je pense qu'il a à peu près ce qu'il nous faut. Voilà, une grande boîte, une verte. C'est magnifique. Pour le verre, on va devoir se le faire nous-mêmes. D'accord. C'est pas grave. Alors pour le faire, je me souviens plus comment on fait. Il faut. Donc déjà, on va commander ça. Comment on fait déjà? Il nous faut de la pierre. Et avec la pierre, on peut se faire du verre. Ok. Donc, voyons voir nos stocks de pierre. On en a 18. Donc, si je récupère de la pierre, on va en faire, je sais pas moi, 8 par exemple. Voilà. Avec. Un petit peu de bois qu'on a sur nous. Par contre, c'est vrai, il faut que je le mette dans l'inventaire. Hop là, voilà. Alors maintenant, descend ici. On va se faire ça tout de suite. Et après, je pense qu'il sera temps d'aller pioncer ou un truc comme ça. Juste, on va voir ça tout de suite. Hop, si là je mets donc la pierre. Ok, je fais fondre. Si là je fais recharger et que j'envoie. Ok, non, mais c'est déjà fait. Ok, une unité de bois. Ici c'est pas encore prêt, par contre ici est-ce que je il me reste du carburant là-dedans? Comment ça se passe? Ok, tu mets un bois et c'est tranquille pour la journée. Bah écoutez, franchement je suis satisfait. Ce jeu franchement il envoie, hein. Il n'y a rien à dire. Là je peux récolter, enfin presque. Ok, je pense que demain matin ce sera bon, donc je vais faire une dernière petite chose. Je vais préparer mes plans pour demain matin, comme ça on sera bon. Et puis si dans la nuit il pleut, on aura de l'eau à disposition. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je mets sur pause quand je suis dans les menus pour être tranquille. Alors, je vous avais dit du tournesol. Alors, le tournesol, on va mettre ça là. On va, c'est le tournesol qu'on peut vendre le plus cher. Ouais, c'est le tournesol qu'on peut vendre le plus cher. Ok. Et pour l'autre, on va se faire les betteraves. Ok. C'est le tournesol. C'est dommage que je puisse pas le récolter là maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Allez, tu vas dormir, s'il te plaît. Effectivement, il faut que tu te reposes, donc tu vas dormir. C'est bien dormir que j'ai cliqué. Ouais. Et voilà, ça demain, ce sera prêt. Et j'espère qu'il va pleuvoir un petit peu, comme ça, on pourra être tranquille au niveau de l'eau. Donc vous voyez, on est déjà le 17e jour. Le temps passe assez vite. Allez, petit chargement, c'est un peu lent. Ok, pause. Oh, il pleut, mais c'est magnifique. Bah écoutez, moi je vais pas me faire chier. Hein. Je profite qu'il pleut, donc. Alors attendez, on va tout mettre dans le bon sens des choses. C'est quoi le bordel? Ah, il y a peut-être plusieurs pouces. D'accord. Mais écoutez, on va aller chercher de l'eau parce qu'ils ont apparemment ils ont soif. Donc. Ah, c'est pas rempli, d'accord. Faut attendre que ça se remplisse. Ok. Eh bien écoutez, mais pour moi c'est très bien, c'est parfait. Donc le rat, mange-moi ça. Avec ça, t'es tranquille pour 6 mois. Ah, c'était quoi qu'il a? Là, c'était le smoothie. Oh, fais chier. Bon, d'un côté, c'était gratuit, donc on va pas discuter. Et ça, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était que ça?
crois que c'était des myrtilles, si je dis pas de bêtises. Ah, fait chier. Alors non, je vais pas le manger, hein, je préviens juste. Manger, manger et remanger. Et histoire de pouvoir conserver la nourriture, vous allez voir ce qu'on va faire. On va mettre ça dans l'inventaire. Va faire allumer. Donc, on va faire cuisiner. Et je n'ai pas assez d'eau sur moi. Bon, écoutez, je vais pas me faire chier. Non. Ok. Il pleut pas assez. Ok. On va descendre, on va récupérer l'eau qui est ici, on va faire avec, il n'y a pas de problème. On va se cuisiner de la soupe pour être tranquille, sinon on va pas s'en sortir. Bon, eux, je vais les arroser après tranquillement. Donc, cuisiner soupe x3, x2 plutôt. C'est pas grave, c'est pareil. Allez, tu m'éteins ça, tu ouvres ça. Hop, mets ça au frigo. Jusque-là, c'est tout bon. Là, il n'y a pas d'eau, c'est pas grave. Là, on va pas y toucher. Donc, ici, comment ça se passe? Mais écoutez, on va planter. Je vais rien planter là pour le moment. Je vais voir si ça rentabilise au niveau des tournesols. Ici, donc, on va mettre ça. Hop, arroser. Voilà, tranquillement. Alors, je sais pas ce qu'on va faire après. On va voir ça tranquillement parce que maintenant qu'on a installé tout le nécessaire, si je puis dire. Il est où? Il est là. Tout le nécessaire au niveau électricité et de quoi se faire fondre les métaux. Donc, pour l'instant, là-dessus, on est bon. L'étage en dessous, je l'arrangerai moi-même. Donc, quand. Ah, t'as besoin d'eau? Bah oui, t'as besoin d'eau. Quand j'aurai les matériaux requis, donc je m'arrangerai l'étage du dessous. Mais je sais pas ce qu'on va faire entre les deux. Voilà. Donc, pour commencer, pour commencer, pour commencer. Pour commencer, voyons voir, on va déjà ranger ça. Au moins, ce sera fait. Faut que je jette la nourriture. Et j'ai des carottes, je vais les manger. Hein. Franchement, pas s'emmerder, je vais les garder pour après. Voyons voir, ça on va le ranger. À ce niveau-là, c'est bon. On va regarder ce qu'on peut faire comme troc. Alors, à ce niveau-là, il me fallait donc de mon côté faire un lit, mais je le ferai quand j'aurai les matériaux pour. Concernant le réfrigérateur, il faudra que j'en fasse un pour le mettre en bas avec moi. Quoi d'autre? Ici, les lampes agricoles, ben ça, il faudra du plastique, mais le plastique, je ne sais pas comment on l'obtient. Donc pour l'instant, on va laisser tomber. Il y aura le casque de mineur qu'il faudra qu'on fasse. Ça pourra nous être utile pour se protéger dans la mine. Et comme ça, on pourra peut-être aller dans la mine au prochain épisode. D'ailleurs, si on peut trouver des matériaux pour se faire de l'argent, ce serait pas mal. Et là, il faudrait que je me fasse un verre. Un verre avec du verre. Cela me paraît logique. Je peux le crafter, le verre au moins. Non, j'ai l'impression que je ne peux pas le faire. La tasse. Une tasse blanche, ok. D'ailleurs, en parlant de ça, bah écoutez, en parlant de ça, inspecter. Où est-ce qu'on en est avec cette petite connerie? Ça marche, patientez s'il vous plaît. D'accord, on va attendre un tout petit peu. On va attendre un tout petit peu. Donc, là-dessus, on est bon. Bah écoutez, on va aller ranger nos trucs là. Dans la forêt, j'y étais, il n'y a rien d'autre à voir, donc j'irai voir le niveau 2 de la forêt, enfin niveau 3 plutôt, voir s'il y a quelque chose d'utile ou pas, on verra ça. Si c'est utile, je vous le mettrai, sinon ben, on s'en passera. J'ai regardé pour le bois, j'ai récupéré tout le bois que j'ai pu dans la forêt, donc voilà, au moins je vous le dis, vous le savez. Donc là, c'est bon, là, c'est bon, il n'y a rien. Et là... C'est bon, il n'y a rien. Ok. Au passage, donc, je disais qu'on va aller faire du troc. Également, il faudra que je pense à récupérer le livre pour le type là, qui m'avait demandé si je pouvais lui trouver un livre, parce que 60$, ça pourrait être pas mal. Donc, on a la fameuse boîte qu'on va pouvoir installer, plus les 60. Ah, ben 60 de plus. Voilà, là, on se met bien. Donc. On va juste avancer le temps histoire que voilà, ça s'enlève. Ici, il n'y a pas de journal, c'est bon. On va échanger. Donc, on va commencer par Sergueï. Sergueï, lui, il n'a rien de nouveau.
Et je ne vais rien lui vendre. Ici, il n'y a rien que je peux vendre, même si je pourrais vendre du mobilier. C'est pareil. Ici, non, il n'y a rien que je peux vendre. C'est quoi ça? Un livre de cuisine. On peut prendre des recettes. Ouais, vous apprendre de nouvelles recettes. 40 dollars. 40 dollars pour obtenir de nouvelles recettes. Est-ce que ça pourrait être utile? 40 dollars pour des recettes. On va voir ça, on va voir ça. Là, vous voyez ce livre, il faut que je le récupère pour lui vendre. Là, je peux rien faire. Faudrait peut-être qu'on fasse des pièges par la suite, mais chaque chose en son temps. Ah, je peux te vendre de la nourriture pourrie. Oh, ben j'ai bien fait de pas la jeter, hein. Tiens, regarde, je te vends ça. Est-ce que j'ai autre chose à vendre là dans le tas? Non. Par contre, le tournesol, 16 dollars. Eh, mais je vais me faire le tournesol, hein. Il n'y a pas moyen, même si ça prend plus de temps, je m'en trempe, hein. Je vais faire du tournesol, moi. 16 dollars le tournesol, tiens, c'est cadeau. Voilà, un petit peu d'oseille là, tranquille. Bah écoutez, je vais lui prendre son. Et lui, qu'est-ce que tu m'offres, toi? Construire. Non, les pièces, c'est pas trop long, ça va. Fabriquer plus rapidement. Non, ça va. Pousser des plantes plus rapidement, 100 dollars. Et porter plus de poids. On fera déjà un sac, ce sera déjà pas mal. Hein. Du coup, qui c'est qui me vendait son. Voilà, lui, il me vendait son livre. 40 dollars. Allez, commandez. Ça va, la livraison, elle est gratuite. On va pas se plaindre. Est-ce que maintenant, c'est prêt? Non, toujours pas. Alors, j'ose espérer qu'ici, ce sera prêt. Enfin, on va aller voir ça. Ici, toujours pas. Ça va manquer d'eau, tout ça. Ça va manquer d'eau. Prendre. Vas-y, arrose, parce que sinon, le bordel, ça va manquer d'eau. Ça va pas aller. Voilà. Allez, pose-moi ça là. Allez, c'est bon, on peut recevoir nos trucs. Allez, on va se crafter deux verres, d'accord. Donc deux petits verres, on va ranger également nos ressources ici. Alors le verre, il n'a pas encore d'endroit. Eh ben, bam, je vais le mettre là. Donc les bols, on s'en trempe, je l'avais déjà dit. Nous, ce que l'on veut, c'est une tasse. Alors franchement, il y a déjà de la tasse violette. Il y a que ça en fait. Donc on va se mettre... On va s'en faire, je sais pas moi, une blanche, une verte. Allez, ça va être joli. Hop, une blanche, une verte. Comme ça, il y aura un peu de... Voilà. Voilà. La grande boîte, on l'a. Donc, on va l'installer. Au moins, l'autre ne nous cassera plus les couilles avec ça, parce qu'il est vraiment chiant. Donc, la grande boîte, regardez, on va se mettre ça là. Boum. Les verres, on va se mettre ça ici. Voilà, si t'as envie de checker comme ça, tu ne casseras plus les couilles. Bon. Pour l'instant, on en est là, on est pas mal. Alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Ces trucs-là, ça met trois plombes à pousser. Mais bon, apparemment, ça rapporte beaucoup d'oseille, donc c'est une bonne chose. On va recevoir, je sais plus ce que j'ai commandé, c'est pas grave, on va voir ça. Alors, j'aurais bien été dans la mine, mais il n'y a pas moyen, ça, on s'en fout. Là, on a de l'eau, des carottes. Tiens, mange tout. Voilà, comme ça tranquille, il nous reste un peu d'argent. C'est le livre, c'est vrai, c'est le livre qu'on va recevoir. Ok, bon, bah écoutez, on est pas mal, on est pas mal. Alors la forêt, pour l'instant, je peux pas m'en occuper. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ouais, il me restera la mine, qu'il faudra que j'aille au niveau 2, que je n'ai pas encore exploré. Et qu'on a le pass juste là. Voilà. D'ailleurs, on va le mettre ensemble. Pass niveau 2 pour la mine. Voilà. D'ailleurs, attendez, je vais regarder à combien on en est pour l'épisode. Ouais, 50 minutes. C'est pas mal tout ça. De toute façon, il va falloir qu'on finisse la journée, hein, donc on n'a pas le choix. Bah écoutez, on va récupérer notre bouquin, notre truc là. Voilà, il y a le facteur qui nous livre. Voilà. Allez, dépêche-toi, Sam, s'il te plaît. Il s'appelle peut-être pas Sam, hein, mais on s'en fout, c'est pareil. Ok. Alors, 8 pièces apocalyptiques et un bouquin. Comment allez-vous, monsieur Mr. Prepper? Ok, bon, j'ai pas pu le lire, c'est pas grave. Ah, parce qu'il faut que je le lise. Ah, tu te fais pas chier. Ah, ouais. Ah, vous voyez ça? Là, l'omelette, là. Ce truc-là. J'ai vu qu'on peut la vendre 55 dollars. C'est énorme. Mais du coup, est-ce que je dois... Est-ce que je dois, maintenant que je l'ai lu, parce que vous êtes mignon là, parce que, attendez.
Comment ça se passe? Là, j'ai le livre. Bref, je l'ai lu. D'accord? Admettons, hein? D'accord? Si je prends le livre... Attends, replie-moi ça, toi. Si je prends le livre, je le pose là. Boum! Voilà. Je vais ici, je fais allumer. Je fais cuisiner. Est-ce que je connais les recettes maintenant? Non, je connais pas les recettes. Du coup, si je prends le livre, je fais cuisiner. Est-ce que maintenant je connais les recettes? Ah, faut aller à côté. D'accord. Est-ce que je peux mettre le livre? Vas-y, pose le livre ici, on va retenter l'expérience. Vas-y, va poser le livre là. Reviens en cuisine et montre-moi ce que tu connais. Voilà. D'accord, très bien. Mais écoutez, c'est... Ma foi, c'est très bien. Donc écoutez, on va récupérer le livre. Je vais le ranger parce que j'ai pas envie qu'on le perde. On va le mettre là. Surtout à ce prix-là. Hein. Un bouquin à ce prix-là, j'ai pas envie de le paumer, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux ranger? Ouais, je vais ranger les lettres de Minute Bidule là. Sinon, ils vont nous casser les bonbons pendant je sais pas combien de temps. Je peux les stacker. Non, je peux pas. Ok. Franchement, je sais pas ce que je vais en foutre de toutes ces lettres. Ok, j'ai des lettres de partout. Ça, c'est son protocole de mes couilles. Franchement, j'en ai rien à battre. Ça, c'est les journaux. Voilà. Ça, c'est par contre la fusée. Donc, ça, on va le garder. Boum, ça, c'est rangé. C'est les documents. On a une grenade, un couteau, une batte de baseball. Je vois pas ce qu'on peut en faire, mais bon, on se défendra avec peut-être plus tard. Et on a l'argent. D'accord, ça fera déjà un peu plus propre. Donc, on en était où avec nos affaires? Ouais, ça, je voudrais voir ce qu'il en est. Ça a poussé, ça a pas poussé. Comment ça se passe? C'est presque à la fin. Ça, c'est presque à la fin, vous voyez. Là, c'est presque bon. Toi, t'en es où? Niveau rechargement carburant. Ouais. Ok. Lui, pour lui, ça va, tout va bien. Ok. Mais écoute, on est parfait. Donc, à ce niveau-là... À ce niveau-là, voyons voir. À ce niveau-là, est-ce que Jenny, la grand-mère, hein, peut nous... Racheter les journaux. Non, c'est pas... Putain, je l'avais vu genre à 5-6 dollars ou un truc comme ça, le journal. Attendez, là, il faut que je remonte en fait. Voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il nous rachète, lui? Ouais, les composants électriques, d'accord. À 5-6 dollars le journal, je me suis dit, mais c'est énorme. Du coup, bah attendez, du coup, avec toutes ces conneries. Parce que là, j'ai pas éteint le four, c'est bien cela? Ouais, donc on va l'éteindre déjà parce que le courant ça coûte cher. Mais je veux savoir, est-ce que on peut cuisiner des trucs qui valent cher? Donc soupe de betterave en boîte. Ok. Des œufs au sel, des cornichons, des champignons marinés, du maïs mariné, du kimchi. Ok, omelette. Ok, et... Ah, la boisson énergisante. Il nous faut du guarana séché. Ok. Le guarana, c'est ce que la grand-mère nous a demandé. D'ailleurs, il faudra qu'on aille le faire dans la forêt. Ouais, c'est vrai. Ok, alors. Du pâté. Il faut de la viande de cerf, des carottes et du sel. Ok, donc soupe de légumes, sel, métal. Soupe de carottes, sel, métal. Soupe de tomates, tomates et eau, d'accord. Pareil, concombre, champignons. Ah, les champignons! Vous savez, les champignons que j'avais ramassés là, que je vous ai dit, bon, on va tous les manger, on les a mangés d'un coup. Ok, ça peut être utile. Donc, la boisson, l'omelette. Ok, bon, ça c'est classique. Le chou, œuf, sel, maïs mariné. Ok, mais franchement, on peut faire pas mal de trucs. Mais écoutez, on va laisser ça là. Hop, zou. On va fermer. Donc, pour terminer la journée, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoutez, soit c'est prêt. C'est ce qu'on va faire. On va aller à la mine, vite fait. Hein? On va aller à la mine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va aller à la mine. Est-ce qu'il te reste une boisson énergisante, Coco? Vas-y, mange. Ok. Allez, on va aller à la mine. D'accord. On va se faire un petit truc rapide. Là, session mine, rapido presto, utiliser Zou. Allez, ça nous occupera. On fera un petit peu de mine. Je terminerai ça de mon côté. Je vais vous montrer le niveau. Je le connais pas encore, mais on va le voir ensemble. Allez hop. Dépêche-toi. On passera voir si on peut récupérer le bouquin à Russell ou à, je sais pas comment il s'appelle, là, à Bob. Bref, vous voyez qui je veux dire. Que c'est lui qui avait le bouquin sur la guerre. Je vais voir si on peut le récupérer. Ok, niveau 2. On va mettre sur pause. On va checker ce niveau. C'était pas là où on était?
Ah ouais, si, c'est là où on était. Ah non, c'est pas là où on était, si. Attendez, j'arrive pas à... Non, c'est pas là où on était. Je vais vous le dire pourquoi ce n'est pas là, parce que c'est extrêmement simple. Au premier niveau, quand on prenait à gauche, on allait là, et là on pouvait rejoindre Russell. Là, on ne peut pas. Donc, déjà, si on analyse bien, ici, il n'y a rien. Si on analyse bien, ici, donc on a une machine de forage qu'on peut alimenter au gasoil. Une fois qu'elle est alimentée, elle nous met le produit fini là-dedans. Ok, ça c'est une chose. Donc on va descendre. Voilà, tout simplement. Hop, petite descente qui va bien. Alors ici, il y a une putain de... hop là, mec. Putain, les touches en anglais. Bon, tu la scotches. Putain, alors. Ouais, les touches en anglais. Donc... Oh, je peux descendre. Ah, vas-y, mine. Vas-y, mine-moi ça. Boum. Bam. Boum. Merci. On va prendre ça. On va prendre ça. Donc, la mine, je vous disais, voilà la mine. Je vous la montre comme elle est. Voilà. Allez. Continue. On va explorer tout ça. Ça va être sympathique. Prends le champignon aussi. Parce que c'est plutôt pas... ouais, mais ça mène où si tu peux pas... Vas-y, descends. Qu'est-ce que je suis censé te faire faire? Ah, ok. Ouais, mais il fait noir, là. Là, c'est du pur hasard. Hein. Ok. Vous voyez, il y a de l'or, là. Il y a de l'or. D'accord, hein. Il peut rien faire de plus. Allez hop. J'ai pas l'impression qu'on puisse descendre plus bas. Allez, on remonte. Ouais, il y a quelques petits trucs sympathiques. Alors, on est censé retrouver la veste de papy. Donc, je vais faire le tour avec vous, hein, pour le moment, puisqu'on est ensemble. Je n'ai pas encore localisé la veste de papy. Peut-être qu'elle est encore plus bas. Enfin, ça, c'est à voir. Par contre, il fait noir de chez noir. Ah oui, ok. Effectivement, c'était pour se crafter la lampe. La lampe. Bah écoutez, on va se. Ouais, mais le problème, c'est qu'on doit terminer la journée, donc je sais pas quoi vous proposer. Écoutez, on va faire un truc. On va faire un truc, vous allez voir, on va remonter. On va partir sur l'entrée. Oui, du coup, avec la lampe de. La lampe de mineur. J'ai cru qu'il lui manquait un bras. Avec la lampe de mineur, on va pouvoir du coup directement s'éclairer dans la mine en fait. Voilà, je viens de capter l'idée. Ok. C'était con comme bonjour. Allez hop, rentre à la maison. On va essayer de se crafter la petite. La petite lampe de mineur. On va voir ce qu'il nous faut. Allez hop. Qu'est-ce qu'il nous faut pour se faire une lampe de mineur? Alors, un casque de mineur. Il nous faut 4 métal, 3 verres et un composant électronique. Alors. Pour vérifier, on a donc... Non, mets sur pause, arrête de faire le con, s'il te plaît. On a les composants électroniques, on a le verre, il nous manque un métal. Donc un métal. Est-ce qu'on a la chance d'avoir récupéré du métal? Absolument. Donc on va descendre là. Vous allez voir, c'est rapide. Simple, rapide et efficace. Au passage, on va récupérer un 2 pour alimenter tout le bordel. Voilà. Allez, descends là, on va faire fondre tout le bordel. Donc, on va mettre le métal. Hop, on va faire fondre. Allez, sur ce, c'est parti. Est-ce que maintenant je peux récolter? Non. Oui. Ok, celui-là, je peux pas dans quelques secondes. Bah écoutez, on va le récolter, il n'y a pas de souci. On va ranger nos petites affaires là. Ça, on va le vendre. Ah ouais, de l'améthyste! Oh bah vas-y, on va au calme, tranquille. Hein. Non, pas ça. Voilà. Là. Donc, la pierre, on va la mettre là. Ça, on va le mettre là. Ok. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que ça, je peux le récolter? Non, toujours pas. Est-ce qu'on a... Attends, on va ranger la pioche. Parce que garder la pioche... Voilà, elle est rangée. Donc, on a l'argent. Là, on a les champignons. Au passage, les champignons, il paraît qu'on peut en faire un repas. Donc, on va cuisiner. On va voir ce qu'on peut faire de ce champignon.
Champignons, champignons, viens voir. Non, c'est pas là. C'était où que j'avais vu la soupe de champignons? Il nous en faut 7 pour une soupe. Ah, vas-y, allez, une soupe. Voilà, tu me mets ça au frigo, s'il te plaît. Soupe de champignons, bam. Ça, va falloir le manger. Et ça, on va tout manger. Ok. Tac, 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 tac. Ça, c'est pas encore bon. Je vais éteindre la cuisinière. Je vais ouvrir ça. Je vais récupérer la soupe qui n'est pas forcément en excellent. Mais c'est allumé ce truc. Ah putain, je comprends pourquoi ça marche pas cette connerie là. C'est bon, là c'est allumé et là c'est éteint. Ok. Vous savez, hein, c'est quand ça veut ces machins là. Bon, c'est bon là. Ah ben enfin. On va pouvoir se mettre les couilles en or, moi je dis. Regardez-moi ça. Hop. Voilà, là. Là, on s'en fout. Alors, voilà, maintenant qu'il pleut. Voilà, ces putains de seaux, ils se remplissent. C'est pas trop tôt. Je me demande pourquoi je les avais fait. J'ai cru qu'ils étaient buggés. Échanger. On va mettre sur pause. Alors, déjà, on va aller voir papy. Regardez-moi ça. 15 $ pour l'améthyste. Plus 5 pour l'or. Ça nous fait 20. Bam, ça c'est fait. Tournesol, elle en veut 10 et on en a 6. Matez le prix. 96, 96 et 25. 120, tranquille, au calme. On a autre chose sur nous? Non, on n'a pas autre chose. C'est tout ce qu'on a. D'accord, mais franchement, c'est bien fait plaisir. Donc ça, c'est une chose. On va aller faire quoi là? Là, on va aller se faire. Attendez une seconde. On a ça sur nous. Ouais, on va aller. Je vais aller checker cette histoire de seau là. Je vais voir ce qu'il en est. Ok, ça se remplit tranquillement. Ok. Laisse ça là. Descends en bas. On va voir si on peut récupérer notre bordel. J'aimerais bien qu'on fasse cette lampe ensemble. Comme ça, on pourra se laisser par-dessus juste après. Pas encore prêt à être récolté. Ok. Ok. Bon, mais écoutez, toi, tiens, tu vas là. Hop là. Voilà, c'est pas mal. Ah, ben, je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. Je sais ce qu'on peut faire en attendant. On va planter notre bordel. Vous allez voir, ça va être sympathique. C'est là. On va planter notre bordel. On va se prendre du tournesol. Avec ça, on va être bien. Du tournesol. Il n'y a rien plus bas. Non, du tournesol. Et avec ce tournesol, on va se prendre un petit maïs. Voilà. Comme ça, on est pas mal. On va redescendre. On va se faire tout ça. Là, l'eau, elle se remplit. C'est magnifique. Vous imaginez avec genre 4 ou 5 seaux en plus, ce serait énorme. Allez! Un. Par contre. Ah oui, prendre. Allez, tu arroses. Ici, planter. Même chose. Hop. Tu arroses. Planter. En fait, ça prend beaucoup d'eau, cette connerie. Mais franchement, ça rapporte un paquet de thunes. Regarde, tu vas voir la thune qu'on va recevoir là, 96. Et arroser. Est-ce qu'il nous reste un peu d'eau? Là, franchement, par contre, c'est la crise en termes. Non, par contre, le repose pas. Prends celui-là. Prends celui-là, voir combien on a en tout. On a 2 stacks d'eau. Ok. On va pas aller loin avec ça. Est-ce que maintenant c'est prêt? Oui, on va recevoir. Allez, ça c'est bon. Ok. Hop, 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 hop. Dépêche-toi, on va récupérer l'eau là en courant. Si on peut avoir deux. Oh oui, moi je dis oui là. Ah, moi je dis oui. Moi je dis oui, 5 de plus, c'est pas mal. Allez, descends-moi là, on va se faire donc cette histoire de. Cette histoire de. De casque de mineur qui va nous falloir 2 petites heures. Protège votre tête et à une lumière attachée dessus, utile sous terre peut-être. Allez, tu me fais ça. Je vais juste ranger l'eau, d'accord. Je vais vérifier que ça, on a du jus, histoire d'être tranquille. Donc l'eau. Là. Ça, est-ce qu'il y a du jus? Alors, si t'as besoin de bois, ne bouge surtout pas. Je vais t'en fournir du bois. Ne bouge pas. Franchement, c'est pas ce qui manque, le bois. Recharger. Voilà, maintenant on est cool. Là, c'est tout bon.
Donc le casque. On a un casque. On va tester ça, le casque, voir comment ça marche. Donc le casque. Ouh, déjà on a ça. Vas-y, mange-moi ça. Hop. On va mettre ça là. Donc voyons voir. Il est où ton fameux casque? Alors, le casque, est-ce que c'est un équipement? J'imagine que oui. Ok, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique, d'accord. Mais, voilà, tu vas le garder de côté, hein, tu vas le garder pour plus tard, genre pour demain ou quoi, quand on ira à la mine, tranquillement. Là-dessus, on est bon, on a fait le casque, on a récupéré la flotte, les tournesols sont en train de pousser, on récupère l'argent et on va dormir. Et on se laissera là-dessus. Là, on a du carburant qu'on pourrait utiliser. C'est quoi, la prochaine fois, on mettra le carburant dans la mine ou alors je vais le faire de mon côté, j'en sais rien. Voilà. Eh, matez le prix. Matez le prix. Boum. Je crois qu'il y en a tellement, je peux pas les stacker. 162. On s'est fait 162 pièces. Tout ça avec des tournesols et un peu de flotte. Par contre, il va falloir faire attention parce que maintenant l'eau est comptée. Donc, je sais pas. Je pense qu'on va essayer de récupérer du métal pour se faire des pièces. Des pièces, des. Pardon, des. Merde, pas des pièces, des seaux. Voilà. Juste, je veux juste voir si il n'y a rien de nouveau. Et si c'est tout bon, on va au lit et on sera bon. Donc à ce niveau-là, Sergueï, lui, ça va, tout va bien. Elle nous vend toujours. Enfin, elle veut toujours ses meubles. Lui, c'est toujours pareil, il nous vend des œufs et du sel, rien ne change. Lui, il veut son petit bouquin comme d'habitude. Elle, ses produits de chasse. D'accord. Elle, vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Tout est normal. Et pour terminer, bah lui, le Bob, bah écoutez, il ne nous achètera rien de spécial. Ok. Écoutez, moi, je vais aller de mon côté. Donc, miner. D'accord. Je vais aller miner. Je vais essayer de retrouver sa fameuse veste. Et puis, ben, si je la retrouve, tant mieux. Si je la retrouve pas, eh ben, on verra. En tout cas, peut-être que c'est au niveau 3, peut-être que c'est au niveau 2, ou peut-être que c'est encore plus bas, j'en sais rien. Mais je ferai ça pour la prochaine fois, et je ferai en sorte d'avoir le matériel pour qu'on puisse poser le lit. Et on sera donc bon pour commencer le quatrième épisode, ou le cinquième, je sais plus. Donc, on attaque le 18e jour. Franchement, je sais plus, on est au quatrième ou au cinquième? Non, là, on est au quatrième, donc ce sera le cinquième épisode. Donc voilà, on attaque le 18e jour. On se retrouvera probablement au 20e, le temps que j'ai pour préparer mes trucs. Et ne pas oublier qu'il n'y a pas d'eau à partir d'après-demain. Ok, et on aura une petite visite également de notre cher agent. Hein, voilà. Franchement, je crois que j'ai trop parlé. Je crois que j'ai trop parlé. Enfin bref, j'espère que l'épisode vous plaira malgré qu'il soit un peu long. Enfin, on n'a pas fait grand-chose, mais on a quand même fait certains trucs. Cela paraît pas, mais c'est quand même pas mal d'avoir l'électricité dans sa base parce qu'on va pouvoir avancer. On a de quoi aller dans la mine, on va pouvoir explorer la mine. Je pense même qu'on fera ça ensemble. Enfin, je ferai peut-être le niveau 2 de mon côté si je trouve rien et on fera le niveau 3 ensemble. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le j'aime, de vous abonner pour recevoir les notifications quand je sortirai la suite. Et bien sûr, laissez-moi un commentaire si vous voulez, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. C'est tout pour moi. Bye bye!